Eh bien Lionel, bonjour. Donc Lozère Menuiserie, société que nous venons juste de créer avec Émilie. Nous sommes installés à Mende, secteur Le Tuf, donc à l'entrée de Mende. Nous avons rénové une vieille bâtisse qui date de plusieurs siècles, qui était jusque-là vide. Donc on est bien content de l'avoir relookée, d'avoir fait cette belle salle d'exposition pour notre magasin de menuiserie. Menuiserie dédiée à la rénovation pour le particulier surtout. Là, on a essayé de mettre de notre personnalité dans ce magasin, de la couleur, de l'énergie. On cherchait depuis un moment un local stratégique. Nous l'avons enfin trouvé, où on a notre salle expo et notre hangar de stockage. C'est un bâtiment qui est classé patrimoine remarquable à l'entrée de Mende. Donc les démarches effectivement pour pouvoir en faire un local commercial était un peu plus compliqué, mais on a été bien aidé par la ville de Mende qui nous a soutenus dans le projet, nous a aidé dans les démarches administratives. La volonté du maire et de la mairie était de faire de ce lieu l'entrée de Mende quelque chose de plutôt joli, donc de respecter le côté naturel, c'est ce qu'on a mis en œuvre nous. Ça a été un choix pour nous, comme on disait, stratégique, l'emplacement. Je pense que sans les aides de la mairie, on y serait toujours, sincèrement quoi. Parce qu'entre les bâtiments de France, l'architecte des bâtiments de France, la DDE, la DIR, enfin tous ces organismes qui ont leur mot à dire, nous, on n'avait pas assez de pouvoir ou d'autorité pour les aider à décider. Et c'est là où la mairie nous a fortement aidé. Et je pense qu'on a gagné des mois, voire on aurait pu ne pas y arriver, hein, je pense, c'est vrai. Hein. Ouais. On a fait le choix de l'enseigne de la boutique du menuisier parce qu'on cherchait un partenaire avec qui s'associer pour pouvoir créer notre entreprise. Et c'est une enseigne en tout cas qui nous correspondait bien par rapport à la façon de travailler. Et en plus, on avait un attachement particulier à la fabrication des produits qu'on allait vendre. Et là, pour le coup, on a une fabrication 100% aveyronnaise. Donc on voulait une fabrication française. On a choisi une production locale. Donc on pense que dans ce monde qui va super vite aujourd'hui, se recentrer sur ce qu'on sait faire autour de nous, je pense que c'est un plus pour tout le monde, pour le tissu économique, social, mandois et lozérien en général, mm-hmm. pour nous, pour la relation au client. C'était pour nous le choix numéro un. Donc on est trois au sein de l'entreprise, donc nous deux et un poseur, et on souhaite se développer et pouvoir en embaucher un deuxième assez rapidement.